à tous et à toutes, nous sommes dans Je découvre avec Amadeo. Nous allons vous présenter Thrive Alive. Nous sommes accompagnés de Nanette. Salut tout le monde. Et il y a quelqu'un là ou pas? Salut tout le monde. Et de la nouvelle Justine. Salut. Ceux qui ont vu la première émission vont peut-être se demander où est passée notre amie Kélia. C'est pas trop vite. Eh bien, elle est dans un nouveau collège et on lui souhaite plein de réussites. Et maintenant, Justine va vous présenter le jeu Five Alive. Five Alive est un jeu de cartes. Le but de ce jeu est d'être le dernier joueur en vie en éliminant tous vos adversaires. Et maintenant, une petite partie filmée pour mieux comprendre. Je vais vous expliquer toutes les propriétés des cartes. Alors, celle-là, en orange, avec le petit bonhomme, c'est la carte Je passe. C'est-à-dire que vous allez juste poser cette carte, comme ça, elle va servir à rien. Cette carte-là, c'est égal 0. Ça porte le total à 0. Je vous expliquerai parce que il y a une règle très importante, c'est ne pas dépasser 21. La bombe. Quand vous lancez une bombe, si vous n'avez pas de 0 dans votre jeu, vous perdez un cœur. C'est une vie. Dès que vous avez perdu toutes vos vies, vous êtes éliminé. Égal 10. Égal 10 est la carte qui porte le total à 10. Égal 21. Et la carte qui porte le total à 21. La carte inversion, le jeu se déroule en sens inverse. La carte saut, le prochain joueur saute son tour. La carte plus 2, tous les joueurs doivent piocher 2 cartes. La carte plus 1, tous les joueurs doivent piocher une carte. Et enfin, la carte redistribution, tous les autres joueurs remettent leur carte au joueur qui a joué cette carte. Puis ce joueur mélange toutes les cartes ensemble et les redistribue. Le total est remis à 0. Et les cartes nombres, on va les additionner et il ne faut surtout pas dépasser 21. J'ai pas compris, c'est quoi cette carte-là? Ah, en fait, ça, c'est la carte Je passe. C'est juste que tu sautes ton tour à toi-même. Ah, ok. Mais pas pour le prochain tour. Et maintenant, je vais redistribuer les cartes. 10 par personne et on peut commencer la partie. Je mélange. Je vais vous en distribuer 10. Vous pouvez les regarder. Normalement, je vous ai expliqué toutes les valeurs de ces cartes. Je vais vous montrer mon jeu. Tu peux commencer la partie. D'accord. Le total, ça va être une pièce là. Tu mets une carte par une carte. C'est-à-dire que tu en mets une seule par tour. 3. Alors le total est de 3. 4. Donc le total est de 7. Je vais faire ça. C'est inversion. Ça veut dire que c'est encore à Amadeo de jouer. Le total est de 9. Du coup, le total c'est de 9. Non, c'est 10. Je te passe la carte. Ça porte le total à 10. Égal, ça veut dire que ça reporte le total. C'est pas les cartes nombres. Donc le total est de 10. Je vais corser un petit peu la partie. Je vais mettre égal 21. Vous n'avez pas le droit de le dépasser. Soit vous avez un 0, soit une carte joker. Ou un égal 21. Bah c'est une carte joker. Toutes les cartes joker elles sont là. Les autres c'est les cartes nombres. Égal 21. 21. Encore à Amadeo. Normalement, t'as une carte. 21. À Amadeo de jouer. 21. Encore à Amadeo de jouer. Si je mets ça, ça va? Bah oui. Ça fait 21. Non. Ça fait toujours 21 parce que... Voilà. Tout le monde pioche une carte, même toi. Ça peut t'aider, mais ça peut te pénaliser aussi si tu voulais te débarrasser de toutes tes cartes. Alors, moi j'ai perdu, malheureusement, j'ai perdu toutes mes vies. Alors, Amadeo et Nanette sont sûrement encore en compétition. Vous voulez faire la fin en mort subite ou pas? Oui. Oui. Alors, la fin en mort subite, ça veut dire que dès qu'un joueur a perdu toutes ses vies, c'est celui qui a le plus de vies encore qui a gagné. Bon, en l'occasion, Amadeo, bravo. Alors, qu'en avez-vous pensé? Moi, c'est la première fois que je jouais et j'ai trouvé ça pas mal.
Ça nous fait faire des maths et puis bah j'ai bien aimé. J'ai juste eu à un moment en fait Justine et bah j'allais mettre une carte, j'ai préparé tout ça et tout. Mais elle est redistribution donc bah j'ai pas pu la mettre. Mais bon j'ai quand même gagné. Moi j'ai bien aimé, c'était aussi ma première partie. C'était chouette, à part que je suis arrivée deuxième. J'aurais préféré être première mais c'est pas grave. Et voilà, cette émission est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la petite cloche. Et Kélia, si tu nous regardes, pense à lâcher un petit commentaire. Et vous aussi d'ailleurs, laissez un petit commentaire, c'est sympa. Ouais Kélia, tu peux nous dire ce que tu fais dans ton collège, si c'est bien et tout. Et on vous dit ciao ciao, à la prochaine émission. Bye bye, bye, bye. Thank you.